Bonjour à vous tous, comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que l'huile est de nouveau disponible et vous pouvez commander depuis votre position. Alors, c'est vous qui payez les frais de livraison. L'huile d'Ophir, c'est quoi? Elle était d'abord l'huile vinaigrée et après l'huile d'aigle royale et l'huile d'Ophir. Mais au départ, c'était l'huile d'Ophir. Ici en Suisse, elle a toujours été appelée l'huile d'Ophir. Et cette huile, elle va vous aider pour vos mains. Pour les personnes qui ont des mains sèches, pour les personnes qui ont des mains noires, elle va hydrater, nourrir les mains et les protéger. Voilà ce qu'elle va faire. Donc, avant-hier, j'ai rencontré une dame d'une cinquantaine d'années qui a utilisé les produits décapants et puis ces produits ont laissé des taches, des plaques noires sur son front, sur ses joues et sur ses mains. Alors elle est venue à la boutique pour prendre de l'huile d'Ophir et elle m'a demandé si elle avait même peur que cette huile la noircisse parce qu'elle ne veut pas noircir. Je veux profiter en même temps pour lancer un message pour dire que si vous êtes intéressé par l'huile d'Ophir c'est d'abord une huile à la base qui est comestible. Voilà, je vais la manger devant vous. Vous la voyez, ça c'est la mienne. Elle est presque terminée. Voilà, c'est la mienne. Elle est à la base comestible parce que c'est une base de oméga-3. Oméga-3, nous en avons besoin. Oméga-3, on ne trouve pas souvent l'oméga-3 dans nos nourritures, donc on doit apporter ça à notre corps. On trouve l'oméga-3 souvent dans le poisson. Et moi, comme j'ai dit aujourd'hui, le poisson, on ne sait plus trop ce qui se passe. Donc, j'ai préféré prendre de l'huile végétale oméga-3 pour pouvoir vous apporter de l'oméga-3 que vous manquez afin d'avoir une peau lumineuse, une peau nette et naturelle. Donc mon huile n'éclaircit pas. Il n'y a pas de produits toxiques dedans, chimiques dedans, qui vont faire que l'huile va vous éclaircir la peau. Non, mon huile n'éclaircit pas la peau. Donc si vous avez peur de devenir noir, je pense que ce n'est pas cette huile. En même temps, j'ai une gamme, ce n'est pas que l'huile. J'ai du charbon de coco que vous allez prendre pour gommer votre peau. Parce que c'est tout un processus, en fait. J'ai une boisson aussi que vous allez boire afin d'apporter aussi des vitamines, de nourrir votre corps depuis l'intérieur. Donc, j'ai aussi la crème AMG cosmétique pour le visage qui illumine le visage et tout. Donc, c'est tout un processus. Alors, ce n'est pas que l'huile. L'huile aide, ça c'est clair. Mais si vous voulez vraiment avoir une peau lumineuse, c'est tout un processus. Et ne croyez pas que ça va vous éclaircir. Ma peau, mes produits n'éclaircissent pas. Mes produits enlèvent les toxines sous la peau. Ça fait que ben, votre peau, elle est hydratée. Une peau qui est hydratée, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est en fait. Quand une peau est hydratée, il n'y a pas mieux. On la voit, on sait. Elle n'a pas besoin d'être claire, elle n'a pas besoin d'être blanche pour scintiller. Tu la vois, elle brille. C'est ça, on dit hydrater sa peau et la nourrir. Surtout la nourrir. Quand vous avez un enfant qui est bien nourri, l'enfant, il fait quoi? Il grandit. Vous le voyez, il est lumineux, il est joyeux, c'est ça. Si vous nourrissez votre peau, elle est joyeuse. Donc, vous lui apportez des vitamines, elle est joyeuse. Et depuis l'extérieur, les gens voient cette joie sur votre peau. Parce que la peau aussi est un organe vivant qui parle, elle s'exprime. Donc, si vous avez des boutons, des taches noires et tout, la peau est en train de vous dire aussi que je suis fatiguée. Mais dès qu'elle commence à illuminer, briller, elle est en train de vous sourire. Donc, faites tout pour faire sourire votre peau. C'est très important. Les fêtes approchent, vous pouvez encore. Parce que l'huile royale, en tout cas, en 2 semaines déjà, vous voyez l'efficacité déjà de l'huile royale. Vous voyez vos mains déjà qui sont hydratées. Vous voyez vos mains qui brillent. Vos mains qui sont douces. Déjà, en 2 semaines, il y a un changement. Donc, vous pouvez déjà commander, vous préparer pour les fêtes déjà qui approchent. Et pour plus, pourquoi pas. Donc, voilà. Je profite aussi pour donner un petit conseil aux mamans. Les mamans, je peux comprendre que les jeunes filles se décapent la peau parce qu'elles veulent séduire, parce que, bon, voilà, parfois elles ne sont pas très informées. Mais les mamans, à partir de 50 ans, je vous encourage à hydrater votre peau, à la nourrir. Ne partez plus vers, à partir de 50 ans, n'allez plus vers les produits éclaircissants. Ce n'est pas la peine parce que la peau, elle est déjà mature. Elle va résister. Vous allez mettre des produits éclaircissants, elle va pas, ça ne va pas rentrer. Elle va résister. Donc, elle va cracher, elle va vous ramener encore ce que vous ne voulez pas, elle va vous envoyer une peau imparfaite, avec plein d'imperfections. Donc, imparfait, pardon, une peau imparfaite, avec des imperfections. Donc, s'il vous plaît, les mamans, à partir de 50 ans là, passons à autre chose. Franchement, passons à autre chose.
pour épater. Hein? Donc, voilà ma vidéo du jour. J'espère qu'elle va vous plaire. Et puis, je mets mon WhatsApp pour toutes les personnes qui sont intéressées. Je vais vous expliquer. Et si vous avez aussi une peau d'acné, vous pouvez prendre cette huile pour démaquiller votre peau. Voilà. Demain, j'ai une dame qui vient à la boutique pour faire son petit témoignage avec l'huile qu'elle a utilisée. Et je vais peut-être partager le témoignage avec vous si elle est d'accord. Donc voilà. Prenez soin de vous. Bon lundi. Que Dieu vous garde. Au revoir.